Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner si jamais ce n'est pas encore fait, d'accord? Voilà, tu t'abonnes, boum, tu cliques sur la cloche, hop, voilà, on t'attend, attends un peu, c'est bon? Ok, donc passons directement au sujet de la vidéo. Les trois principaux actifs que les riches possèdent. D'accord? Donc, parce qu'on entend plein de choses, plein de chemins différents, etc. Là, maintenant, on va voir ensemble les trois principaux actifs que les riches possèdent. Et tu verras, tu vas vraiment être surpris de ce que vraiment les riches possèdent, contrairement à ce que tout le monde pense. Ouais, mon gars. Premièrement, les riches possèdent un business, que ce soit physique ou online. Ouais, ouais, mon gars. Parce que je rappelle quand même qu'Amazon, c'est online, tout ça. Hein. Même s'il y a une partie physique. Mais tout ce qui est commandé, c'est online. Ok, donc les riches possèdent un business. Ah, je sais que tu t'y attendais pas. Je sais que tu t'y attendais pas celui-là. Ouais. Donc tous les riches possèdent un business. Ok. Donc là, je te rappelle mon point de vue par rapport à l'enrichissement. Il n'y a pas plus rapide que de créer un business. D'accord. Il y a d'autres manières. Il y a d'autres manières hein, de commencer hein, en investissant, etc. Hein. Mais clairement, il n'y a pas plus rapide que de créer un business. Ok. C'est là où tu vas pouvoir générer le plus de cash. Rapidement. Deuxième actif que possèdent les riches, c'est des investissements en bourse ou en immobilier. Ouais, je sais que tu es surpris. Je savais que... Ah, mais les gars, là, je vous donne du brand new, les gars. Ça, c'est tout nouveau. C'est tout nouveau. Mais je vais te dire ce que j'en pense après par rapport à ça. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo. Ok. Donc, les investissements en bourse long terme, classique. Tu t'attendais à un truc exotique, hein? Un truc genre... hein? Non, non, non. Troisième actif, j'ai même été trop vite. D'accord, le deuxième, c'était que la bourse en fait. Le troisième, c'est l'immobilier. Ok, tout ce qui est vitrine, qui est immeuble, appartement, enfin immobilier. Ok, donc là, je sais ce que tu me dis. Tu me dis, ouais, mais attends, oh, on est au courant de ça, nous. Tu répètes toujours la même chose. Ben les gars, vous voulez que je vous répète quoi? Vous voulez que je vous donne un nouveau chemin, un truc qui n'existe pas? Je vous dis les trucs, les classiques, les gars. C'est ça, il n'y a pas de truc exotique, il n'y a pas d'autre manière. D'accord, c'est exactement ce que les riches ont et ce sera tout le temps comme ça. Ok, maintenant la question qu'il faut te poser, c'est sur lequel des trois piliers tu as déjà commencé? Ah ouais, c'est ça, j'ai fait cette vidéo juste pour te poser cette question là sur lequel des piliers tu as déjà commencé. Ok, je te laisse répondre dans les commentaires. D'accord, voilà, au moins là tu pourras mettre un petit commentaire. Je te laisse répondre dans les commentaires sur lequel des piliers tu as déjà commencé. Est-ce que tu es passé à l'action? Parce que regarder des vidéos à la chaîne, c'est bien hein? C'est bien de regarder les vidéos de tout le monde, mais concrètement, qu'est-ce que tu as fait? Où est-ce que tu en es? En sachant que moi, mon conseil, c'est de commencer par un business. Ok, tu peux faire de l'immobilier, tout ça, de la bourse, il n'y a pas de souci. Maintenant, si tu as 100 euros de cash, 8% de 100 euros sur l'année, ça te fait quoi? Ouais, ça fait 8 euros. C'est ça? Bon, je suis nul, de toute façon, je suis nul en maths. Ok, les gars, ne me jugez pas. Donc, ok, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il te faut du cash pour investir. Donc, vaut mieux commencer par créer du cash et après, tu investis. Et là, on est bon, les gars. Parce que là, quand tu as 1 million et que tu le poses et que tu as 8% à l'année, là, on est bon. Mais si tu as 10 000 euros, tu touches 8% à l'année, tu vas où comme ça? Donc, où est-ce que tu en es? Lequel des piliers tu as fait? Ok? Donc, lequel pilier dans lequel tu t'es déjà lancé, que tu as déjà commencé à charbonner? Parce qu'en plus, le succès, ça ne vient pas tout de suite. Enfin, ça dépend, tu me diras. Ceux que j'accompagne, ils ont vraiment un succès rapide. D'ailleurs, si jamais tu es consultant, coach, d'accord, tu as une expertise sur la santé, sur les relations, que sous les finances, que ce soit en immobilier ou en bourse, ok, où tu sais comment faire gagner de l'argent aux gens, ok, tu as une masterclass qui est offerte où je te partage exactement toutes les stratégies que j'utilise avec mes clients. Ok, donc c'est exactement les mêmes stratégies que j'ai utilisées avec mon client qui a fait 86 000 $ en un mois, qui a fait 350 000 $ en 5 mois. Et 200 000 $ encaissés. D'accord? Ça veut dire qu'en 5 mois, il a fait 200 000 $ encaissés. D'accord? Parce que tout le monde dit des gros chiffres, tu vois. Là, je te donne vraiment ce qu'il a encaissé. D'accord? Et il va encaisser le reste après. Mais là, il a déjà encaissé en 5 mois 200 000 $. Ok? Donc, ça fait, si jamais tu veux le lisser, ça fait du 40 000 $ par mois. Ok? Donc, toutes les stratégies, elles sont partagées dans la masterclass. Si jamais après tu veux les implémenter tout seul, ben tu vas le faire. Si jamais tu veux que je t'accompagne à le faire, à implémenter toutes ces stratégies et à te coacher, eh ben je serai là et je le ferai avec plaisir. Si jamais je peux t'accompagner, je peux t'aider. D'accord? Maintenant, si jamais tu n'as pas d'expertise, okay, tu es encore à l'étape, tu cherches ton idée ou tu as une idée, mais elle ne fait pas partie de ce que je viens de te dire. Okay? Donc là, pour ça, moi, je peux t'accompagner à monter ton business en ligne. Okay? Maintenant, il faut que tu aies un intérêt, il faut que tu aimes ça, il faut que tu aimes la liberté, il faut que tu aimes
vouloir pouvoir voyager où tu veux, quand tu veux, et vouloir partager ta passion, d'accord. Pour ça, il y a dans la description une formation offerte, d'accord, où tu as juste à cliquer, d'accord, c'est offert. Je partage avec toi plus de 25 idées de business rentables, d'accord, donc tu auras juste à choisir ou te conforter dans l'idée que tu avais déjà dans ta tête, ok, et tu pourras commencer à te lancer dans la création de ton business en ligne, ok. Donc d'ici là, les gars, prenez soin de vous. Ok, mettez-moi un j'aime, mais moi j'aime pas parce que t'es un rageux. Et nous, on lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Dans quel camp tu es ?